C'est toujours la main gauche. Allez, un. Je suis là. Boum. Et je passe à côté. Ok, allez. Houp. Et je passe à côté. Boum. Et je mets le sol. Là, je suis déjà dans cette position-là. D'accord? Je suis déjà dans cette position. La main sur le visage. Boum. Et vous passez la craie. Le cours est comme ça. Le prof est là, les élèves arrivent. Voilà, pour profiter, enlever le stress du travail, le stress de la journée, que ce n'est pas facile. Donc, le sport, aujourd'hui, c'est partout le monde. Donc, le sport, c'est bien pour le travail, c'est bien pour éduquer les enfants, c'est bien pour se sentir bien, tu vois. Donc, le sport aujourd'hui, ce n'est pas faire du sport pour s'amuser, c'est pour libérer tout le stress de la journée. Avec ce bras. Le bras qui est derrière, à côté da tête de lui, j'utilise o par. Boum. Déjà, il est là, je vais pas continuer. Si là, ça passe pas, je change minha main. Et là, je viens. Un, deux, à un moment qu'il va, tu vois. Voilà. Moi, je m'appelle William Sacramento. Je viens d'avoir 19 ans. Je pense qu'un champion, il doit avoir un bon mental, surtout. Il doit être persévérant dans ce qu'il fait. Je suis en alternance actuellement et ce qui me motive à me lever tôt le matin, c'est d'un jour devenir champion. Quand je me lève le matin, par exemple, pour partir en cours ou pour partir travailler, je dois me lever à 5 heures du matin pour me préparer. Et en fait, avant de me lever de mon lit, je me dis que je dois réussir. Je dois devenir champion un jour. Vous prenez le bras, la main derrière la tête, vous mettez la main par terre, vous passez comme ça, vous cherchez le bras de lui, le poignet. Et après, boum, prier, et là, je passe du Simon, ok? Je m'appelle Anton, j'ai 33 ans, et je travaille en tant qu'éditeur dans une maison d'édition spécialisée dans le domaine juridique. Et j'ai souvent des relations compliquées avec mes auteurs qui sont retardataires ou récalcitrants. C'est bien la raison pour laquelle je fais ce sport, pour avoir des arguments supplémentaire dans la négociation. 1, 2, 3, 4. Vous êtes là. 1, 2. Et après, rentrez avec la droite. Ok? 1, 2. Quand vous rentrez avec la droite, pliez les jambes devant. Boum. Nyo, bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que maintenant je connais depuis 3 ans et qui est assez exigeant à l'entraînement. Bon, ça, c'est quelque chose de positif, de bien, parce que bon, il regarde les détails. C'est un bon professeur, malgré une petite barrière linguistique, il explique très bien. Et, voilà. Non seulement avec la langue, mais aussi avec son corps à lui. C'est très facile de répéter après lui. À partir du moment que vous sortez du boulot, nous sommes avec le stress. La première chose que nous avons envie de faire, c'est rentrer dans la maison, dormir. Ou sinon, quand nous prenons le métro, tout le monde fait la tête. Mais les personnes qui font la tête, c'est des gens qui ne font pas de sport. Les personnes qui ne font pas de sport, c'est lui qui cherche pour le bagadour. Parce que quelqu'un qui aime bien le sport et la vie ne va pas chercher le bagadour. Souvent, quand le bagage arrive, il dit ah, qu'est-ce qui passe? J'ai rien fait. Nesse momento, nós somos febres, mas não sei que não é forte. Mas é forte de esprit e da alma, tu vois? Não é pas forte de point para o médico ou não, isso vai servir a rien. Mas então, je suis content avec vous.